Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu The Quarry Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, dernière fois, on savait. Je pense qu'on a peut-être perdu un personnage aussi. Sortie routière, le chapitre 9, les liens du sang. Non, j'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route? C'est pas la grande route? Non, on est sur le terrain des Hackettes. La grande route est à 2 km, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout? Oh, ta gueule! Alors, on doit marcher encore une heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi, ça? Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête! C'est trop classe, un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. C'est vrai que c'est plutôt... Ouais, j'avoue. ...original. Je pourrais varier les accessoires. Voilà, assume à fond. Ça te fait une histoire géniale. Ouais, je pourrais peut-être en parler sur la station de radio. T'inquiète, on en rigolera tous dans quelques années. Toi, moi... peut-être même Ryan. On s'est bien rapproché autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc. On verra l'année prochaine. Ouais, faudrait d'abord survivre celle-là. Ça changerait rien de toute façon, on a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes, sûres d'elles, avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh merde! Du calme, c'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Allez, par là. Lâchez-moi! Doucement, mon... Manoir de la famille Hackett. Lâchez-moi, vieille sorcière! Je vais te exploser la cervelle! Ah! Traînez. Que tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. Lâche-moi tout de suite. Oh, Colus le tabarnak. Arrêtez tous. Constance. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Réveille-toi. Es-tu vraiment en train de faire le CPR? Debout. Allez. Oh. C'est fini. Mon petit Bobby. Maman est morte. Oh. Tu ne protégeras plus personne, Travis. Toi, tu prends pas shotgun. Ah!
Ouch. Manoir de la famille inquiète. Oh merde. Enlève pas le couteau, ça va être pire. C'est un vidéo ou... Ok, c'est un vidéo, je suis tout seul. Ok. Ok, j'aime pas ça. Ben, moi non plus, je serais toi, j'aimerais pas ça. Non, touche pas ça. Non, t'enlèves pas le couteau, tu laisses ce couteau là. Tu laisses ce couteau là, c'est tout ce qu'il faut pas enlever une coupure. Exactement, tu laisses ça là. Vous auriez enlevé le couteau, vous? Mais tu sais que tu vas te mettre à saigner? Lettre de Kaylee. Appuyez sur LB pour afficher. Ouais, mais tu te mets à saigner tout ensemble. La lettre de Kaylee est où? Je sais pas. La merde, je pense. Une carte de tarot. La mort. Ouais, y a une porte là. Mais il y a aussi une porte ici. Pressentiment, c'est 16. Si. Ouais, elle est fermée. Je peux pas l'ouvrir.
Parce que j'ai tout vu. Il reste la porte qui est ici. Pour ça, il faut évaluer les endroits avant. J'aurais pas gardé sur le lit avant ça, je m'aurais pas pensé qu'il y avait de la merde. Entendu, je pense. Oh non, il y en a qui. Je suis là, j'attends. Terminé. Lui, il sait ce que tu vois. Tu m'échapperas pas dans ma propre baraque, enfoiré! Ouais, je sais. C'est toi, l'enfoiré. C'est toi. Toi, juste toi. Toi et Gwen. Ours dans le coin. Il y a quelque chose qui me dit touche pas là, ce petit piano. Deuxième carte.
Y a quelqu'un dehors, on l'a vu. Il y avait de l'air à voir quelqu'un. Une situation, j'ai peur. Alors, en vrai, n'empêche, je suis dans cette situation. Je chie dans mes culottes. Je pense que je me cache dans une garde-robe puis je sors plus jamais. Attends que le jour arrive. Ouais. Juste le piano que j'ai pas envie de toucher. J'ai peur qu'il y joue, puis ça serait vraiment stupide d'y jouer. On a fini de jouer maintenant, ma petite. Tabarnak. Elle va peut-être changer en loup. C'est ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Non! Je suis appuyé avant le temps. Non, pourquoi mon joystick est dessus? Putain de calice! Je me suis jamais trempé! Travis! Je me suis jamais fucking trempé, là, je leur manque deux! Tabarnak. Shit. Shit. Si j'aurais pas manqué ma shot, ça aurait pas arrivé puis il sera pas mort. Ça, c'est ça qui est arrivé. Là, il est mort à cause de ça. God, yes! Où es-tu? C'est une des conséquences. Tiens, je perds mon premier joueur. Que tout le monde s'arrête! Ça suffit comme ça! Tu l'as. Fais-lui sauter la cervelle. Tu sais ce qu'elle a fait à Kaylee. En plus d'avoir tué ta mère. Putain, Rémi. Putain, j'allais... Ça allait trop bien. Attends! Ça va être tout sauf agréable.
Putain. Perdu un peu un joueur à cause de ça. Juste parce que j'ai appuyé deux fois sur le joystick stupidement. Il l'a entendu. Allez, mon vieux. Il faut que tu m'aides. Ah bon? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non, non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Tu m'as planté! Ouais, ça fait mal, hein? J'avais jamais été planté avant. Laisse-moi tranquille. Aïe, mais ça fait mal. Papa! Laura. Ouais. C'est moi. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, Ryan! C'est grave. J'avoue. Je suis désolée. Si grave que ça. Sam Tam, je fuck ma game. Il y a qu'un mort à cause que. J'arrête pas d'essayer. J'ai fait deux accrochages de joystick pour rien. Laisse merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant. Enfin, je voulais pas te le dire, mais... T'aurais pas dû m'accompagner. Sans deck. Désolé. Je vais mourir. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça va guérir, hein. Peut-être que oui. Quoi? Ryan, si tu me laisses te mordre... Quoi? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais, je sais, le grand méchant loup. Sont devenus des loups-garous. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris, alors... Je devrais tuer Chris.
Non, tu es elle. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne, et celle de Max, et de tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à Kate. Ou je me vide de mon sang. En gros, ouais. Putain, c'est moi qui vais prendre la décision. T'as le choix, pour l'instant. Prends-les pour moi, s'il te plaît. Alors, on y va ou pas ? Vas-y. Je suis sûr qu'il y avait une autre situation. J'ai la viande bien tendre. Pas d'accord, même mordu, il est trop tard. Oh putain. C'est pas cool. Infecté, il faut couper le bras. Je peux pas m'en empêcher. Merde. Il faut faire. Allez. Je te tiens. Non, il aurait pu survivre encore un peu, il serait pas mort direct. J'aurais pas dû l'autre. Ben non, en tout cas, trop tard. Casse des hackettes. Les mecs ne jettent jamais rien, hein? Bon, est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement ? Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça nous aide pas tellement. Ok, alors on cherche des... moteurs ? N'importe quoi qui serait intact. Compris. Un problème. Oh, putain, doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Peut-être dans ce bâtiment, là. Allons voir. Bon. Hmm.
On va finir dans un documentaire. Mais non. Allez, ta gueule, viens. Le 22. Ces gros fils de pute avaient tout prévu. T'es, c'est qui? On dirait bien qu'il trafiquait un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Les gars de Castries n'est pas inscrit au registre. Toujours là, papillon. Je crois que Ryan va bien. Il sait ce qu'il fait. Il est plus en sécurité que nous. Viens. Un caribou, un papillon, moi, je suis un chat. Toi, Gwen. Toi, là. Je pensais que t'es une chienne, t'es. Un chien, je veux dire, excuse. C'est bizarre, ça. Panthère. Une marmotte, ouais. C'est Berne. Là. C'est là qu'il a mis la... Ok, c'est leurs affaires.
T'as déjà conduit une grue, toi ? En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Ouf, quoi ? Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, c'est non. Oh, je viens de comprendre. Parce que t'es un chien. Si tu peux la descendre, qu'on jette un œil sous le capot. On n'est pas négatif. Ouais, bien sûr. Mais bon, tu me protèges, hein? Ouais. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est le retour de la pince. Qu'est-ce qui se passe ? Désolé. Oh, merde. Ok. Allez. On va tenter. C'est quelqu'un, hein? C'est un individu de France. Un nouveau viewer depuis une semaine environ. T'as réussi ! Ouais, j'ai trouvé ma vocation. Bah, il était temps. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Oh merde. Oh non, fallait qu'il va à voiture. Je l'ai eu. Hélène, bouge ! Ce putain de loup-garou ! C'est un putain de prêtre ! Ah ! Mais bouge ton cul, putain ! C'est les loups-garous, c'est ça que c'est. Ferme ta porte. La fille, c'est comme ça, puis c'est à la mort du l'autre, c'est de même qu'ils vont changer aussi. Fais tomber la voiture. Mais faut-tu fonger le bon timing, j'imagine? Ok. Il est où ton gun, toi? Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Oh, tu sais, c'est rien. Mais j'ai hâte de savoir qui ils choisiront. Quoi? Pour jouer mon rôle. Dans le film,
Sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Hello, le gun. Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue? C'est toujours mieux que de rester ici. Allez. Ending rouge. J'ai peur d'un personnage, sais-tu bien ça, ça veut dire? Je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est elle qui est dans le chalet. Tu es prête monitrice dans une colo, Abby. T'apprendras à interagir avec les gens, tu passeras un super été et tu te feras des amis. Ah, j'en ai marre qu'on me rabâche les oreilles. Qu'est-ce que je fais? Eh oh! Y a quelqu'un? C'est pour ça que tout est éteint. Le chasseur a dû passer par là quand il nous a attaqués en haut. Je vois rien. Ah, c'est la trappe dans le bureau du de Chris Hackett. Bon, ils sont pas prêts d'arriver jusqu'ici. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous? Arrête. Tu sens ça? Non. Pas grave.
Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Ah. C'est quoi ? La preuve qu'on avance. Suis-moi. Ouais, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Chut. Bon. Qu'est-ce qu'on cherche ? Où on est ? Sois prudent. Ouais. Calice. C'est quoi ? Je crois. Ah, oh, c'est un qui est attaché là. C'est Chris. J'ai trouvé Chris Hackett. Putain de merde. Ryan. Comment tu vas savoir qui est qui? Oh, je suis mort! Bon, j'ai perdu Ryan aussi. Ah non, c'est pas Ryan ça! Mais tu, ils sont tous morts, j'ai perdu tout le monde. Ray Travis se sent entretué. Je suis ravie de vous revoir, surtout maintenant que d'autres vermines ont à leur tour été éliminées. Il en reste une poignée, mais vous avez le temps. Bon. Donc, qu'avez-vous trouvé de nouveau ? Putain. Et si l'on regardait ? La mort. La mort a bien des visages. Elle peut indiquer le changement, la transition, la transformation. Elle est souvent interprétée comme une balise pour l'optimiste. Dans votre cas, elle signifie... eh bien, simplement la mort. Ah, ça m'enrage quand en deux chapitres, j'ai tout scrappé. Le soleil. La vitalité d'un nouveau jour.
Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le pape ? Où avez-vous trouvé ça ? Où l'avez-vous trouvé ? Elle n'a rien à faire là. Il a déjà bien assez souffert, non, non, non. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait. Mais non, on va pas là. Sauver. Maman arrive, Silas. Maman arrive, Silas. 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 Ont fait. Le mal causé, il est toujours là, tout seul. À chaque pleine lune, il le traque, armé d'argent. Ils veulent mettre fin à la malédiction qu'ils se sont infligés en réduisant mon spectacle en cendres il y a 6 ans. Ces stupides gamins. Le petit Silas. Petit loup blanc. Il faut le protéger. Cette voix, il faut la fuir. Vous m'entendez? N'oubliez pas que je vous aide depuis le début.
N'allez pas oublier tout ce que j'ai fait pour vous. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu The Quarry Life sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!